Résidence Pagot. Hop. Un, deux. À l'extrémité de... Les confins de Chamier, là, au bord des champs. Les enfants qui habitent là vont à l'école à la cité Jacqueline Auriol. Ça, c'est rigolo. Une petite fille qui a reconnu sa rue et tout ça, comme d'autres ont reconnu là où ils habitent. Et voilà l'école, justement, tiens, d'ailleurs. Hop. L'école dans la cité. L'avenue Delattre de Tassigny. L'avenue Général de Gaulle, l'avenue Delattre de Tassigny, l'avenue Jean Moulin. C'est les axes de Chamier. Hop. Les quelques commerces du marché, hop. Ça, c'est des personnages, il n'y a pas que de l'architecture. Le marché du vendredi. Fruits et légumes, fromager, charcutier, et puis c'est tout. Rien d'autre. Et encore, dans les bons jours, il y a deux commerces. Dans les mauvais, il n'y a qu'un seul commerce au marché. Hop. C'est toujours l'avenue de Delattre de Tassigny, tiens, d'ailleurs. Le pharmacien. On démonte, hein, de toute façon. Moi, je démonte en revoyant les trucs, comme je les ai déjà revus 10 000 fois. Le pharmacien, il y a plus de deux ans, en fait. Il y a des choses qui ont changé complètement, des choses qui n'ont pas changé d'un pouce. Hop. Les pompes funèbres, après le pharmacien, avec beaucoup de soleil. L'hiver. Le Spar, le centre de Chamier, le Spar, la supérette. Je dis le centre parce que tout le monde, tous les visiteurs de l'Expo ont reconnu le Spar, enfin, ont retenu le Spar, puisque tout le monde l'a fréquenté pour faire des courses. Hop. Et après, le commerce, c'est fini. Il y a l'église, le centre social. C'est plus des commerces. Hop. Les commerces en haut de l'avenue de Gaulle. Un, deux, enfin oui, ceux-là. Et puis, il y en a encore d'autres que j'ai pas peints. Mais... Et en bas de l'avenue de Gaulle, vers Périgueux, voilà. Hop. Ça monte vers Chamier. Enfin, on est dans Chamier, mais... Mais on est comme entre Chamier et Périgueux. Hop. Entre Chamier et Périgueux, il y a ce pont avant l'avenue. Sur la rivière, avec les canards dans la rivière, on est dans le Périgord. Un morceau de l'immense usine SNCF, des ateliers SNCF plus exactement, c'est pas une usine, c'est avec des portiques de levage, peint depuis l'extérieur du site industriel parce que on a du mal à pénétrer l'intérieur, c'est normal un peu. Hop, ça c'est désaffecté, c'était une base américaine. Hop. De l'armée américaine à l'issue de après-guerre, quoi.
C'est désaffecté. Et aujourd'hui, c'est rempli d'un grand graphe. Mais à l'époque où je l'ai peint, il n'y avait pas le grand graphe. Il y avait juste le béton un peu pourri, un peu, je sais pas quoi, attaqué par le temps. L'art Voltaire, c'est du côté des ateliers, c'est des logements de cheminots, de gens qui ont travaillé dans ces ateliers. C'est un détail d'un logement, mais enfin voilà. Hop, ça c'est le bas-chamier, comme on dit. Et les jardins, cabane du jardin numéro 62, vue de dehors. Et la même cabane vue de dedans, hop. Ah mais l'autre est déjà décroché. Ouais, c'est ça. La cabane du jardin 62 en cours de réfection par Joël Tepeau. Hop. Et celle-ci, c'est une autre cabane d'un autre jardin. Une harmonie de marron, couleur rouille, couleur bois foncé, tout ça. Toutes sortes de marrons. Et tout ça devant les ateliers SNCF, qui sont en arrière-plan. Bon, ben voilà, ah, c'est drôle, les trous, la constellation sur les murs, on croirait. Des étoiles, avec chaque étoile est nommée, comme ça, tic, tic, tic. La constellation de Chamier. Ah, c'est marrant, ça fait on pourrait faire une expo sans les peintures, juste en laissant que les légendes et les clous. Hop. Et voilà, ça, Marc a enlevé tout le reste, ouais, ouais. Ah ben oui, il y a le chemin. Bon ben, voilà. Hop, tu vois, par exemple, là, tout fait sur place, sauf le petit scooter, juste noté ici et rajouté à la maison. C'est ça, les morceaux d'esquisse que j'ai mis, c'est ça. En général, c'est les derniers trucs notés. Soit il fait trop froid pour finir sur place, soit il n'y a plus le temps, c'est parce que les trucs bougent et... Voilà. Petit bout d'esquisse. Et puis, un mois un peu covidien, un mois sans vernissage, parce que, etc. Juste avec des visites commentées de groupes restreints, masqués et tout ça. Mais bon, dommage ça. Mais voilà, pendant un mois, ouais. Et voilà, c'est fini. Ici, mais j'espère que l'ensemble des paysages de Chamier sera montré dans Chamier même, un de ces quatre. Il faut trouver le moyen de le faire pour que tous les habitants puissent voir ce qui a été fait sur là où ils vivent. Certains habitants sont venus, des groupes sont venus, hein, des groupes d'enfants et tout ça, mais pas tout le monde forcément. Même si c'est à Chamier, tout le monde ne viendrait pas, mais au moins, ça serait facile pour ceux qui voudraient le faire. Une douzaine de semaines en tout de résidence. Une dizaine de séjours étalés sur 2 ans. Ouais. Ça fait genre une moyenne d'une semaine tous les 2 mois. Il faut continuer par la métamorphose du quartier. Ah bah oui, il y en avait une tout à l'heure, c'était une gouache qui représentait la démolition du centre social, justement. Ah, il faut déménager les panneaux. Le centre social, j'en parlais tout à l'heure, il existe toujours, mais il y a une partie des bâtiments qui a été démolie et qui va être reconstruite et tout ça. Donc voilà, ça, c'est les métamorphoses du quartier. C'est un début, un bout de chantier. Mais j'imagine quand il y aura la démolition du bâtiment C, si on est encore dans les parages, ça devrait avoir lieu dans l'année. Je pourrais aussi faire des vues des chantiers de démolition, des chantiers de construction et tout ça, et puis explorer les trucs les coins du quartier que je n'ai pas encore explorés, mais il y a de quoi faire. Faire d'une manière traditionnelle des paysages sur le motif face au sujet, c'est quelque chose que j'avais expérimenté par moi-même dans plein d'endroits, urbains ou à la campagne ou à la mer et tout ça, enfin, dans plein de sortes de lieux, mais après d'essayer de faire un espèce de regard exhaustif sur un coin précis, ça fait un changement, une nouveauté particulière. Ouais. Et puis du coup, comme ça, pendant que je le fais, je suis intégré dans la cité elle-même. Les gens me connaissent et tout ça. Donc c'est marrant, c'est un,
J'ai un travail qui est photographique, entre guillemets, sans jamais utiliser d'appareil photo, mais photographique, de la photographie de l'œil humain, quoi, de ce qu'on peut repérer et puis transmettre aux autres par le biais du dessin. Bon, ça progresse par nature. Si je suis venu en résidence ici, c'est avec Marc qui m'a contacté parce que j'avais commencé un travail de ce type-là, d'aller vraiment dans la réalité des espaces vécus. Donc ça collait avec l'idée que Widir avait de cette résidence qui devait s'insérer vraiment dans la réalité de l'espace de Chamier, des habitants et de l'espace lui-même. Donc ça collait d'avance. Donc ça accompagne une manière de travailler telle qu'elle a évolué d'elle-même pour moi individuellement. Et ça me conforte dans cette manière de faire. Parce que je travaille depuis pas mal de dizaines d'années. Quand j'étais plus jeune, je faisais des choses beaucoup plus dans l'imaginaire, dans la fantaisie, dans l'espèce d'histoire. Maintenant, j'essaye vraiment de me rapprocher d'un rendu de choses vécues. Et voilà, c'était. Donc, du coup, c'est le fait de travailler ici à Chamier me conforte dans cette démarche sans avoir provoqué cette manière de faire que j'avais déjà, comment dire, vers laquelle j'étais déjà allé de par moi-même. Donc tout est vide, hop, il n'y a plus que ça. Ça reste ici. Voilà, et il ne reste plus rien d'autre. Bon. Voilà. Okay.